Salut à tous! Encore une petite vidéo pour vous parler d'autres produits Lush que j'ai testé, cette fois-ci plus centré sur le bain. Donc si ça vous plaît, c'est parti! Le premier, c'est le gel douce Rose Jab, comme son nom l'indique, à la rose. C'est une édition limitée, il est tout rouge comme vous voyez et il sent juste divinement bon. Si vous adorez la rose comme moi, je vous le conseille. Il est très onctueux, ça laisse la peau vraiment très douce. Et quand vous vous douchez ou vous prenez le bain, ça fait une belle petite mousse et vraiment, je l'adore, c'est mon favori. Le deuxième, c'est Rosalisa. C'est un après-douche, comme un après-shampoing pour les cheveux, sauf que là, c'est pour la peau. Une fois que vous vous êtes lavé, vous vous l'étalez sur la peau, vous rincez un petit peu et ça laisse votre peau incroyablement douce. C'est vraiment une tuerie. Le mieux, c'est de le combiner avec Rose Jam, car ils vont absolument très bien ensemble par rapport à leurs odeurs. Si vous vous lavez avec Rose Jam, vous mettez Rosalisa après, c'est juste, bah, comme je l'ai dit pour le premier, une tuerie. Votre peau, elle sent tellement la rose, elle est vraiment douce. C'est vraiment super, je vous les conseille. Si vous adorez la rose comme moi, go, 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 go. Maintenant, je vais vous parler de la petite baguette magique. Donc, bah, c'est une petite baguette magique. Ça sent le bonbon. Vous l'utilisez dans le bain. Il vous suffit de la tremper dans l'eau. Mais je pense que je vais vous faire une petite démonstration. Ce sera plus parlant. Alors, avec l'eau du bain qui coule, là, on vous la coupe parce que ça fait du bruit. Vous agitez la baguette dans l'eau, dans tous les sens, voilà, comme si c'était une baguette magique. Et comme vous le voyez, l'eau devient rose et toute moussante. Et maintenant, pour finir, c'est Maître Iodé. C'est une eau de mer, en fait, que vous mettez sur vos cheveux pour donner, bah, justement, l'effet plage un peu bouclé. Malheureusement, ça ne marche pas sur mes extensions parce que, bah, je sais même pas pourquoi. Je l'ai vu en action sur Margot de You Make Fashion. C'est vraiment juste sublime. Ça lui donne du volume, des ondulations. C'est vraiment parfait. Par contre, moi, quand je me fais des boucles, j'en vaporise dessus. Ben là, par contre, ça donne encore plus de volume. Ça accentue tous mes cheveux, mes boucles. Donc, c'est vraiment super. Mais je vous invite à aller sur le blog de Margot You Make Fashion. Elle en parle. Elle a fait une vidéo. C'est vraiment top. Donc, elle vous en parlera mieux que moi. Donc, voilà. C'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo sur les produits Lush vous aura plu et vous donnera l'envie d'essayer. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos avis, vos impressions. Et puis, à bientôt.